sont ces œuvres des ténèbres dont nous pouvons être complices. Premier point, la corruption, surtout ici en Afrique. La Bible dit, Ecclésiaste 7, 7, les présents corrompent le cœur. Les cadeaux corrompent le cœur. La Bible dit, Psaume 15, 5, que le juste n'accepte point de don contre l'innocent. Alors, si vous êtes chrétien, vous êtes à un endroit où sévit la corruption. Les gens vivent de corruption. Les gens survivent par immoralité. Si tu n'entres pas dans l'immoralité, tu ne vas pas survivre. Si tu vis dans une telle société, tu auras des problèmes avec les gens. Comme chez nous en Afrique, où la corruption est monnaie courante. Si tu es chrétien, tu travailles quelque part, les gens dans cette société volent et toi tu es en paix avec eux. C'est que tu as trahi le Christ. Parce que si le Christ est en toi, tu vas renoncer à la corruption et tu vas dénoncer la corruption. Combien de chrétiens aujourd'hui amènent le feu de l'évangile, amènent l'épée de la parole dans leurs entreprises, là où la corruption est monnaie courante? J'ai amené le feu ici. On ne doit plus voler. Moi-même, je volais, j'ai suivi la parole de Dieu, je renonce au vol. Mais les chrétiens sont pour la plupart disposés à voler. Posez la question à un chrétien. Si on met à ta disposition 7 millions de dollars pour, du pays pour gérer, tu vas voler combien? Le plus saint volera 2 millions. Le plus saint de tous les chrétiens. Parce que les pires, ils vont tout prendre. Mais le saint va dire, je vais prendre 2 millions et je vais consacrer les 5 millions au travail qui me sera donné par le gouvernement. Et c'est lui qui, sur 7 millions de dollars, vole 2 millions. Nous tous, nous sommes compréhensifs à son endroit. Il a quand même bien volé. Demandez à votre voisin, tu as 7 millions à ta disposition. Tu voles combien? Entre nous, tu es capable et très fort en justification. Quand vous avez volé, vous les appelez. Puis mon cher, j'avais un projet ici, j'ai reçu un financement d'autant de dollars. Mais je n'ai pas bien géré ça. Justifiez-moi ça. Il vous justifie. Vous envoyez au bailleur et les bailleurs sont convaincus. Il y a des gens, nous les connaissons, même dans notre ville ici, des spécialistes en la matière. Des justificateurs patentés, expérimentés. Ils existent. Et c'est pourquoi j'ai dit une fois que les ONG, ce n'est pas organisation non gouvernementale, c'est organisation nationale des gourmands. Vous pouvez me donner une, deux, trois ONG où les gens sont honnêtes. Ils reçoivent l'argent, ils le destinent au projet. Il y en a combien? ONG, c'est une nouvelle technique pour voler. Une manière propre de voler. Amen. Demande à ton frère qui est à côté de toi. Demande, tu travailles dans une ONG? Comment vous volez là-bas? Ah, il sait comment il vole. ONG. ONG. D'abord, il y a un projet. Prenons d'abord le cas des projets qui viennent de l'Europe. Il y a une ONG qui vient en Afrique. Oh, je viens pour aider, sensibiliser les villageois à faire les champs. Bon. Les villageois doivent les sensibiliser pour faire les champs. On engage, c'est le monsieur qui vient de l'Europe, là, un Africain. Il est du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Congo. Il arrive là. Il a un salaire faramineux. Il reçoit, lui pour ça, parce qu'il a quitté l'Europe, hein, pour quitter son pays, hein, pour venir ici. Il a 10 000, 20 000 dollars comme salaire. Et il va chez les villageois là-bas. Il leur donne des miettes. D'abord, les travailleurs congolais qui sont dans l'ONG reçoivent combien? Dans cette organisation, ils ont des maigres salaires. Toujours des maigres salaires. Est-ce que vous voyez les gens travailler dans des ONG et s'enrichir? Non! Leur vie ne s'améliore pas. Donc ils ont des salaires ici, c'est 500 dollars pour les plus. Et même parfois, c'est avec la complicité de nos propres compatriotes. On arrive à dire, ces villageois-là, ces agents-là avec qui nous allons travailler, nous voulons leur donner des motos. Les Congolais disent non, ils n'ont pas besoin de motos. Avec les vélos, ça va marcher. Les frères congolais,
L'argent, ce n'est pas l'argent de ta mère, ni l'argent de ton père. C'est l'argent de nos frères blancs qui nous ont envoyés après nous avoir pillés. Les frères blancs disent non, nous avons pillé l'Afrique. Hein? Remettons un peu l'argent là de façon maligne. Ils nous remettent notre argent. Et toi, on veut payer à ces villageois-là une moto. Qu'ils profitent aussi. Qu'ils récupèrent même son diamant qui a été volé pendant des siècles. Toi, tu dis non. Lui ne mérite pas la moto. Donnez-lui un vélo. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. On m'a parlé d'un projet. Des gens qui sont venus de l'Europe. Ils disent non, sentinelle. Nous avons proposons comme salaire pour une sentinelle $500. Le Congolais a dit non, c'est trop. Une sentinelle $500, ça n'existe pas. $500, c'est ça le salaire des médecins, le salaire des ingénieurs, des gens qui ont fait des grandes études. On ne peut pas donner $500 à une sentinelle. La sentinelle, c'est combien? $50. Congolais. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Et les villageois, vous venez là, vous, avec des grands véhicules, Land Cruiser, et vous arrivez dans ce village-là, les gens vous voient, vous, que vous avez l'argent, vous sentez l'argent, vous dégagez l'odeur de l'argent, et vous arrivez là-bas, vous dites, faites un chant ici, faites un chant, commencez à faire un peu les chants. Et le villageois te regarde, quand je fais les chants, toi tu gagnes combien par mois? Tu dis, si toi tu fais les chants, tu trouves, c'est peut-être $100. Moi, je gagne 10 000. Les villageois disent, si tel est le cas, je ne fais pas les champs. Tu ne vas pas gagner les 10 000 là. Toi, parce que tu m'as dit de faire les champs, tu as 10 000 chaque mois. Moi, je fais les champs. J'ai combien? Si je pouvais faire, que je fasse pour moi-même. Mais comme je dois faire pour que toi, on te paye, je ne fais pas. Les projets là sont mal conçus, hein, quelque part. Sont mal conçus. C'est pourquoi ça ne marche pas. Combien de projets ont réussi à transformer nos villages? Allez dans nos villages, c'est aucun il n'y a aucun projet qui a vraiment. Oh, ce village a été transformé par tel ONG, par tel projet. Zéro, niente, rien. Si quelqu'un a un exemple contraire, il peut me dire, moi je viens il n'y a pas longtemps de faire Mbushimai Louisa. Sur la route là, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des ONG, est-ce qu'il y a des organismes humanitaires qui travaillent de ce côté? Aucune trace positive. Aucun changement. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Peut-être que le changement, c'est à l'intérieur. Hein? Mais moi, en passant là, je n'ai rien vu. Même village Asseni, on a fait quoi? On fait seulement un bloc là, on dit village Asseni. Mais quand vous suivez là, vous entrez, le village n'a rien d'Asseni. Mais il y a des messieurs qui vous bouffent $10 000 chaque mois. Parce qu'il est venu dire aux Africains, faites un chant. Lui, il y a $10 000. Alors, si vous vivez dans une société comme ça, vous êtes dans une ONG où vous savez bien qu'on vole l'argent. Hein? Si vous dites, on vole, on vous chasse. C'est ça la division que Jésus est venu semer. Que quand vous condamnerez la corruption, vous aurez des problèmes. C'est comme au Congo ici. C'est ce qu'on appelle les médecins chefs de zone. Les MCZ. Médecins chefs de zone. Pourquoi les gens se précipitent à être médecins chefs de zone? C'est pour voler. Un médecin chef de zone, c'est le grand voleur qu'on a là-bas. Ils volent les moustiquaires, ils volent l'argent, on peut envoyer l'argent ici pour le vaccin. Vaccination, on dit donner à chaque vaccinateur $50. Lui va donner aux gens là $5, il prend 45, MCZ, c'est pas quelqu'un. Hein? Si vous voyez seulement quelqu'un qui s'appelle médecin chef de zone, craignez-le. Il peut même vendre vos chaussures. Ils ont des moustiquaires, ça fait quoi chez vous? Alors si vous êtes quelque part, vous êtes médecin et vous voyez que le médecin chef de zone vole, vous lui dites, vous allez bien vivre avec lui. C'est ça l'épée que Jésus est venu amener. Vous allez lui dire, non, médecin chef de zone, on a donné et puis vous voyez les ONG quand vous venez là. Formation, on nous prend là, nous signons. Hein? Repas, vous avez les repas pour les ONG, les organismes humanitaires, on nous fait signer sur les repas. Par jour, on peut dire les personnes qui ont participé à ce séminaire m'ont consommé par jour $45. Quel repas un Congo? $45, c'est le
voudrez pas de combien de jours ici chez nous? $45. Mais elles vont vous dire que chaque jour on dépensait $45 pour que ces gens mangent. Et vous, vous signez. Hein? Les Congolais déclarent même, mais cet argent-là, donnez-nous. Nous allons les manger chez nous. Non, non, vous devez manger chez nous. Service traiteur, là, la femme du chef de projet. C'est lui, service traiteur. Service traiteur, la femme, sa femme. Transport, ce sont ses véhicules. Et vous voulez que le pays aille de l'avant? Le pays ne peut pas aller de l'avant. Alors, maintenant les chrétiens qui ont le feu, où sont-ils? Vous avez seulement le feu pour condamner les homosexuels? Condamnez ces gens-là! Ayez des problèmes dans vos ONG! Condamnez les voleurs de l'argent de la population! Ayez, homosexuels! Oh, on a cité les homosexuels! Oh, les peuples, les homosexuels! Mais les voleurs avec qui nous vivons, avec qui vous volez? Pas c'est facile de condamner les homosexuels, hein? Mais 1 Corinthiens 6, 9 à 11 dit que et les voleurs, mais et les voleurs et les homosexuels et les impudiques et les débauchés et les outrageux, ceux qui injurient les gens là, on les met dans le même sac. Ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Et les voleurs et les gens qui travaillent dans les ONG ici sont là, sont en train de me regarder. Où est-ce qu'ils veulent nous amener? Je vous amène au ciel. Formation. Après une enquête, on vous fait signer un document où les chiffres n'apparaissent pas. Vous ne savez pas combien, pour combien vous signez. Mais vous signez simplement. Les jours où le feu de Jésus-Christ sera en nous, nous réclamerons. Messieurs, mettez le montant ici. Et parfois, on appelle les services traiteurs. Hein? C'est le service traiteur d'un chrétien. Service traiteur rosé du ciel. C'est pour une maman chrétienne. Et le monsieur là qui vient avec le projet. Voilà maman. Maman, vous voulez que... Bon, vous êtes service traiteur? Oui, service traiteur. Vous allez préparer pour nous. Mais moi, je vais tromper les blancs. Ceux qui nous financent. Là, je vais leur dire que par repas, c'est $30. Et moi, je vais vous donner, vous, $10. Vous êtes d'accord? Maman, je suis d'accord, papa. Maman signe. Service traiteur, la rosée du... La vérité de Jésus. Service traiteur, la vérité de Jésus-Christ. Signe. Alors que le repas c'est $10. Mais maman signe pour $30. Dites, ah, mais si je refuse. Et la maman bénit Dieu. C'est une chance. Dieu m'a béni.